On va vous faire un petit quiz, c'est les frérots des stars. Ah. C'est très simple. Ah. Je vous montre une star et vous me dites, c'est le frère de qui? D'accord? Ah, attention. Oui. Ou bien, qui est, ça, c'est le frère de qui, par exemple? Regardez, première. C'est parti. Merci. en régie. Vous avez demandé à voilà. Ça, c'est le frère. Ça, c'est le frère de qui, ça? Matt Pokora. Oui, on dirait. C'est le frère de qui, ça? Matt Pokora. Il a mangé Vincent Desagnières. Hein? Adil Rami. C'est le frère de Matt Pokora, sur la tête de ma mère. Non. Ouais. Non. Ouais, ouais. Bah, c'est Julien Tota, ouais. Le grand frère de Matt Pokora. Bah, c'est ouais. Un air, hein. Franchement, fort ou pas? Ouais. C'est Jérémy qui joue. Hein. Attention. Ah, d'accord. Ah, pardon. Ah, pardon. Oui, attention. Ah, non, mais je vais être super nul. Ouais. C'est pas grave. Si tu étais nul, tu peux demander. Ils ont que ça à faire. Merci. Attention, regarde. Prochain frère. Ça, c'est le frère de qui, ça? Ah oui, c'est le frère d'Emmanuel Macron. Oui. Ouais, bravo, c'est le frère d'Emmanuel Macron. Bravo. Eh ouais, c'est Laurent Macron, le petit frère d'Emmanuel Macron. Il est médecin et il est spécialisé en radiologie du cœur. Mais il ressemble plus à Sarkozy, je trouve. Ah ouais. Non, non, Macron. Et vous allez vêter voir l'ophtalmo quand? Alors, attention. Troisième. Ça c'est qui ça? Il est beau. Ah oui, si, Omar Sy. Il est beau. Djibril Cissé. Non, c'est le petit frère d'Omar Sy. Chut, qu'est-ce que vous dites, Jérémy? Je sais pas du tout. C'est le Gérard petit Junot. Frère d'Omar Sy. Gérard Junot. Gérard Junot. Je t'adore. Meilleur van. Le petit frère d'Omar Sy, exactement. JBC, il a 19 ans et est mannequin. On embrasse très fort Omar et son frère. Attention, là c'est qui ça? C'est sûr. Ça me dit quelque chose. Moi aussi, les c'est Ramzy. Hein? C'est le frère de Ramzy. Non. Du frère de Ramzy, pas du tout. Pas du tout. C'est le frère d'un humoriste. Attention, un humoriste. Un humoriste. Un humoriste que j'aime beaucoup. Ah. Ah, le frère, ah non, oui. C'est pas, non, non, c'est pas le frère. Non, ils se sont trompés. Ah. Ça, c'est le frère. C'est le petit frère d'une chanteuse. Ah. Amel Bent. Qui? Tal. Non. Amel Bent. Non. Jennifer. Non, c'est pas Shine qui va venir dans un instant. Non. Chim. Non, c'est pas Chim d'ailleurs. Ah, c'est qui? Elle a fait la Starac. Jennifer. Jennifer, exactement. Ah, c'est le petit frère de Jennifer, Jonathan Bartoli. Bouge, c'est vrai qu'il lui ressemble, il est très beau. Ouais, c'est et c'est le petit frère de Jennifer, il est aussi c'est chanteur. Beau. Attention, là, c'est une sœurette. Attention, une sœurette. Mettez-moi la sœurette. Ah. Allez-y, allez-y. C'est qui ça? Vincent McDoom. Non. Mais qui est con? Sors, sors. Oh non, mais j'étais drôle. Ouais, mais j'aurais dit Vincent. Sortez, sortez. Alors, c'est la sœur de qui, ça? Rocky Vincent. La sœur de Christine Kelly? Mais non. Rocky Vincent. Mais non, oh là là, non. Non. Michel Obama. Non. Michel Obama. Non. C'est le... Bah, Gérard Jugnot. Gérard Jugnot. Alors, on cherche un mec ou une femme? C'est un mec, c'est, le petit, c'est la sœur de quelqu'un. C'est un chanteur, c'est quoi? C'est un chanteur. Un chanteur. Yannick Noah. Yannick Noah, bravo Raymond. Bravo mon Raymond d'amour. Attention, prochain frère. Allez, c'est parti. Ça, c'est qui? Ça, le frère de qui? Kev Adams. Bravo. Kev Adams, qu'on embrasse. Tu l'avais ou pas? T'allais dire complètement autre chose, toi. Non, je dis Kev Adams. Ah, d'accord, bah, très bien, Jérémy. Très bien, très bien. Jérémy, Kev. Tu dois être le premier. Mets le replay, tu vas voir. Ouais, on va mettre, attention, on a une caméra. Hein. On va mettre la VAR, on va mettre une VAR ici. Attention, on regarde. Prochain. Le prochain. Ah, facile. Ah, Griezmann. Bien sûr. C'est le petit frère d'Antoine Griezmann qui était venu ici. Théo, qu'on embrasse fort aussi. Il est créateur de mode. Et j'embrasse Antoine qui fera son dernier match à Madrid. 10 mai, 12 mai, enfin, à l'Atlético de Madrid. Après, je ne sais pas s'il va partir ou pas, mais en tout cas... Ça, ça veut dire que tu sais. Ouais, vous prochain match, que tu sais. Son dernier match de la saison. Vous y serez. T'as fait une gaffe. Je ne sais rien du tout. Je vous y serez. Ah non, non, je ne sais pas si j'y serai, mais en tout cas, c'est t'as possible. Fait une gaffe. Mais je ne sais pas si ça sera son dernier...